Sur la question de la lumière, en fait, moi j'ai une façon de travailler qui laisse assez libre les metteurs en scène parce que le travail de la lumière se fait avant, ce qui est aussi un des grands avantages de travailler en studio, c'est-à-dire qu'on éclaire seul et puis ensuite on laisse le metteur en scène travailler avec ses acteurs et puis on filme. Donc on a fait ça et puis pour les extérieurs, on a refait quelque chose qu'on avait bien aimé, qui sont les nuits américaines qu'on avait expérimentées sur la plage noire. Et donc, ces scènes d'extérieur de nuit sont faites en nuit américaine. Et ce qui est toujours très touchant dans la collaboration avec Michel Piccoli, c'est qu'il est absolument rempli d'audace. Et de la même façon que Catherine disait qu'il nous permettait de prendre cette place-là, à la lumière, je pense que pour les acteurs c'est pareil, il nous laisse toutes les audaces. Et l'audace de la nuit américaine, l'audace de tourner en scope, parce que ce film a été fait en 2.35 en vrai scope, qui était à parti pris, qui avait un rapport avec la frontalité et la théâtralité. Et voilà. Et du coup, je pense que ce que ça produit est quelque chose de très fort, de très maîtrisé et de très singulier. Je dois à Michel d'avoir fait avec ce film-là, malheureusement la copie n'est pas très belle, j'espère que la copie de la pêche va mieux, mais je vous dois à Michel d'avoir fait un très beau film et la photographie, et je pense un des plus beaux. Là, dans le film de ton père, je ne voulais aucun effet technique, aucun effet de rien du tout, c'était des pantins qui se déplaçaient, et qui se déplaçaient toujours de la même façon. Aucune imagination dans leur existence. Moi, je trouve que c'est plus que théâtral. Enfin, on est dans le guignol quand même. C'est-à-dire qu'on est dans un cinéma quasiment muet. Et il reste quoi? Il reste des vignettes de ce que sont ces trois personnages que représentent très bien Guignol. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui sont les acteurs, qui sont Guignol, qui sont les marionnettes. Tout ça est très confus. Et moi, ce qui m'a frappé en revoyant aujourd'hui le film, c'est qu'il est très, 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 très drôle pendant un moment, et puis plus du tout. Enfin, il est variable. À un moment donné, ça bascule complètement. Et on est dans l'effroi. On n'est pas dans le vaudeville. Il y a juste l'image du vaudeville, mais c'est bien pire. Michel donne les clés au début du film. Par exemple, pour moi, il m'avait dit, il était situé le personnage au niveau social. Il était homme d'affaires, je crois. Et il y avait un texte qui le définissait, un téléphone qui le définissait. Et finalement, ça, on l'a supprimé. Et c'est Michel, est, si je peux me permettre, un jeune réalisateur. C'est aussi peut-être, au travers de ses films, un jeune entomologiste. Parce qu'il jette vraiment, alors voilà, c'est un regard sur une société, sur des situations, mais qu'on ne juge pas. Je veux dire, voilà, ce que tu disais, c'est des pantins, c'est des marionnettes, mais il n'y a pas de jugement moral. Oui, c'est un morceau d'entomologiste. Je trouve que c'est... Non, mais il n'y a pas de... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'indication psychologique quand on joue. D'ailleurs, très souvent, ce qui est formidable aussi, je me souviens que tous les jours, quand on tournait, tu arrivais le matin et tu disais, on va changer ça. Et ça, c'est formidable, parce que ça permet justement de se retrouver devant des situations presque nouvelle, ou en tout cas changée, et ça permet de prendre des risques, ce qui est formidable quand même, je trouve, quand on joue, de prendre des risques, ou quand on fait un film, quand on réalise un film, comme la caméra, comme les décors, comme les costumes. Et là, c'est... voilà, je trouve ça... oui, c'est pouvoir prendre des risques. Mais il n'y a pas d'indication psychologique. Il y a des indications de rapport de... Mais même pas, non, de rapport de force entre les personnages.
ils sont dans l'écriture. Donc, Michel ne vient pas nous dire, mais il est comme ci, il est comme ça, il est... Voilà. Il fait ci, ceci, il fait ça, justement. Il va déboucher une bouteille, il continue, il fait ci, elle fait ça, elle fait... Mais il n'y a pas d'indication psychologique. En effet, je l'ai dit moi-même, pour dire quels ont été les grands exemples de cinéastes qui m'ont permis de jouer la comédie, c'est Ferreri, Buñuel et Manuel de Oliveira. C'est-à-dire que j'ai compris qu'ils ne voulaient absolument pas que je sois un acteur. Ils voulaient que je sois une personne qui bouge, qui parle, mais qui surtout ne s'émeuve pas sur lui-même, ne pleure pas sur lui-même, ne fasse pas sentir qu'il est heureux d'être un merveilleux acteur, comme certains grands camarades. Vous me suivez? Merci. C'est tout, je ne peux rien dire d'autre, pardonnez-moi. Enfin, à moins que cette réponse ne vous soit pas suffisante. Je voudrais juste rajouter, que vous puissiez un petit peu prolonger sur le fait, effectivement, vous avez parlé de votre travail en tant que comédien, mais est-ce que ces cinéastes-là vous ont nourri pour devenir vous-même cinéaste? J'ai l'impression qu'il y a quand même des influences qu'on retrouve dans votre film. Par exemple, vous avez parlé de Buñuel, on peut parler de Ferreri. Ce côté baroque, et voire, moi, je ne sais pas si je me trompe, mais je vois presque même un côté cartoon, en fait. Un côté quoi? Cartoon, dessin animé. Dessin animé, oui, si vous voulez, très bien. Oui, je suis très heureux si on trouve que je suis un acteur dessin animé. Non, je parle de cinéaste, en fait. Réalisateur. Un réalisateur. Oh, ça, c'est plus compliqué. Je suis un réalisateur, mais qui... Mais ça, j'ai eu des fréquentations aussi parmi les cinéastes qui m'ont aidé à abolir toute psychologie inutile ou psychologie sentimentale, rondouillarde, que je ne supporte pas. Il faut que l'acteur expose au public les souffrances, les secrets des personnages, mais ne jamais les jouer, ne jamais les jouer, les dire, les expliquer, ne jamais les jouer. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Non? Pas très? Tant pis. Si, c'est clair. Oui. C'est très différent de raconter une histoire drôle ou une histoire tragique d'une façon tout à fait sèche et sans émotion dans nos vies, ou au contraire de raconter une histoire qui nous est personnelle ou qui est personnelle de votre petit ami en faisant une dramaturgie de ce que vous voulez raconter, c'est complètement indécent et c'est complètement encombrant pour moi. Voilà. Si j'ai envie de dans une scène de parler de la mort de ma maman ou de ma fille, dans la vie, je vais dire, elle est morte. Mais tu n'as rien d'autre à nous dire? Non, elle est morte. Et bien, je vous assure que vous pouvez dire, ça m'est jamais arrivé, j'aimerais jouer une scène où 17 fois je dise non, elle est morte. Je suis sûr que le public serait bouleversé, non pas par moi, mais par cette chose, elle est morte, c'est tout. Pas besoin d'ajouter, elle est morte de quoi? Elle est vraiment morte? Tu es malheureux qu'elle soit morte? Non, elle est morte. Et c'est clair, non? Je ne supporte pas dans la vie les gens qui s'extasient devant leur bonheur qui doit être... secret ou leur malheur qui doivent être secrets.
Ce qui n'empêche pas d'écouter beaucoup ce que dit l'autre. D'écouter beaucoup. C'est quelquefois beaucoup plus important, même quand on joue la comédie, d'écouter. Savoir écouter. Et non pas tout le temps en parler. Je n'apprécie pas du tout les films. Les livres, c'est différent. Mais je n'apprécie pas les films. Pour les films qui veulent absolument montrer la douleur, la passion amoureuse, la passion, les passions comme ça. Non. Voilà, alors voilà.